Allez, salut tout le monde, c'est Thèse Récupération. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 41 de notre aventure 100% sur Spyro Reignited de Trilogy, plus précisément l'épisode numéro 15 de Spyro 2 Reaper's Rage. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait fait le niveau Zephyr à 100% dans lequel on avait récupéré l'intégralité de ses collectibles, à savoir c'était les 400 gemmes et 4 orbes et le fameux talisman, la bombe de rubis. Donc du coup, on s'était arrêté devant le niveau Port de Brise parce que c'est notre objectif aujourd'hui. On va tenter de le terminer à 100%, en tout cas j'espère pouvoir le terminer à 100% d'une seule traite. Donc du coup, bah écoutez les amis, on va pas perdre trop de temps, on va s'y rendre maintenant et c'est parti. Du coup, on ouvre évidemment le bal aux épisodes maintenant 40. Et oui, avec ce 41e épisode, ça nous fait un bien fou, hein, ça nous fait un bien fou. Écoutez, on progresse, on va voir où ça nous amène tout ça. Dites-vous qu'on est à 50% du jeu. On est à 50% du putain de jeu, c'est incroyable. C'est juste fou. C'est juste dingue. Hey, hey. Coucou, tu en m'habites. Je suis désolé, mais ça me fera vraiment rappeler ce même. Donc du coup, oh putain le bordel, oh non, un niveau dans l'air comme ça, j'aime pas. Alors dans ce niveau il y a 400 gemmes, 2 orbes et le talisman. Bon bah un niveau un petit peu plus restreint aussi, ça fait du bien. C'est des ennemis. C'était des ennemis. Effectivement, bon qu'on a défoncé mais c'était des ennemis. Oh, oh. Il y a des... Attention, il faut faire attention, il y a des gemmes un peu de partout. Hop. Hey. Ah d'accord. C'est malin ça. C'est malin. Ok. Ouh, attendez, mais en fait on peut faire le niveau en reverse. C'est quoi le but? Attendez. Déjà il y a un truc ici, on va y aller. On va parler un petit peu, on va voir un petit peu le problème dans ce niveau. Tout simplement. Et alors hein. De Patapouf. Dites-vous que c'est le prénom de mon chat. Un de mes chats. Ok. Je pensais que c'était une orbe là-bas, mais non. Alors du coup, il n'y avait pas... Ouais. Bah écoutez, c'est parti. Hein. C'est parti. Caca. Bon bah écoutez, on va progresser. Qu'est-ce que c'est que ça? What is that? Ok. C'est un ennemi ça? Ah bah oui, on va pouvoir l'avoir avec le canon. Logique. Des gemmes, toujours des gemmes. Alors par contre, toi, tu m'as pas. Et voilà, toujours des rubis. Toujours des rubis, on récupère. Merde. Ok, alors par contre il y avait un truc. Je crois que c'était là-bas au fond. Est-ce qu'à votre avis on va pouvoir le viser d'ici? À mon avis non hein. Par contre s'il y a ça aussi, je pense que c'est pas pour rien. Eh, hey, what is that? Ouais, look. Hop, allez, 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 on spam, on spam. Merde. Ah bah alors. Ok. On va pas l'avoir de là-bas. Ah, par contre, il y a un truc ici. Ah bah oui. Ah les amis, il faut que j'y pense, parce que ça, c'est pas trop visible, voilà. Et ça nous fait toujours des petits rubis sympathiques. Hop, dégage.
ça, ok. On a activé une des chaudières. On a activé une des chaudières. Donc du coup, on va continuer. On va progresser, sachant qu'on est à 86 sur 400, d'accord. C'est dégueulasse, non? Non, c'est bon. C'est bon, on peut y aller. On peut y aller. Ouh. Ça fait pas très du bien aux yeux, hein, quand l'image est très nette à 6h du matin. Les yeux souffrent. Les yeux souffrent bien. Attendez, en fait, je veux juste me déposer là. Oh, non, y'a rien du tout. Ok, y'a rien du tout ici. Ok. D'accord, il y a de la lave ici, il faut faire un petit peu attention. Tu te crues pour qui toi? Et toi, tu dégages. Bon, bah écoutez, on progresse. Non, t'éteins pas. Putain, ta mère, va crever. Ta mère suce tes bites, un enfer. Voilà. J'adore les balourdes. Ce sont nos amis, on va dire. On va dire ça comme ça parce que. Parce que c'est pas réellement nos amis. Ouh, c'est très vif comme zone ici. Une orbe. Ok. Et merde. Oui. On l'a eu. Par contre, oui. D'accord. Ah bah les mines flottantes. Ok. En fait, je ne sais pas combien j'en ai abattu au total. Ça m'aide pas. Ça m'aide pas du tout. D'accord. Sachant que la suite est par là-bas. Oh les appels. Oh putain. On est dans World of Warcraft les amis. On est dans World of Warcraft. Oh, je vous jure. Allez. Direction à Norfandre. Mon dieu, on est dans World d'un coup. What the fuck, quoi. What the fuck, je vous jure. Bon, bah écoutez. Hop, c'est fait. Oh là 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 là, attention. Toi, tu dégages. Hey. Putain, mais c'est blindé de partout, hein. C'est blindé de partout. Il y a tellement de choses, en fait. On croirait pas comme ça, mais en fait, c'est une zone qui est assez grande et surtout avec plusieurs petits chemins, donc du coup il y a beaucoup plus de choses. Et attention, hey, what the fuck man. Oh come on, oh come on, merci. 4 sur 8. Ah d'accord. Ah merde. Ah, ah d'accord, c'est un petit peu plus loin, il est là truc. Voilà, 4 sur 8. Oh. Attention. 6. 7. Il nous en manque un dernier. Je sais pas forcément où il est. Alors, par contre, c'est une zone qui fait bien péter les yeux. J'espère que sur YouTube, ça vous pètera pas les yeux. Problème. Ah ouais, parce que là, ça, c'est une zone qui fait bien péter les yeux. Dites-vous que j'ai les yeux qui brûlent là. J'ai les yeux qui brûlent. Tellement. Par contre, toi, tu dégages. Ok, ça nous en fait 9. Ah, qu'est-ce que ça va être, le pouvoir de vol peut-être? Je sais pas. Hop, attention. Oh, une cible. D'accord. Une cible. Ok. D'accord, sachant que du coup j'ai explosé la cagette là tout à l'heure. Qu'est-ce que ça fait ça? Ah! Ah! D'accord! Ouf! Ah, d'accord! D'accord! Ça nous a expédié en tout cas! Dégage-toi, s'il te plaît! Oh putain! Merci! 10.
On a, ok, on allume le navire. Et en route. Pour Norfandre. Non mais il faut arrêter. Il faut arrêter. What the, oh, ok, on a augmenté juste d'un étage. Et on a... Et j'ai, ok. Ah, c'est la fin du niveau, j'imagine. Mm-hmm. Tac, 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 tac. Bien. Ça nous a fait combien? 280 sur 400. Donc il nous en manque 114. Donc ici, il y a le talisman déjà. Ok. Alors il nous manque un truc piquant à avoir. Et un... comment ça s'appelle? Et deux orbes. Enfin, le truc piquant pour avoir l'orbe. Ok, et ça aussi. Mais le problème, c'est que ça, tu veux l'avoir comment? C'est... On peut y aller là-dessus? On peut y aller là-dessus. Le problème, c'est que c'est bien gentil qu'on puisse y aller là-dessus, mais... Ça ne nous amène pas à grand-chose, donc... Putain, là, il y a un circuit... Oh, putain. Hey, what? Ah, on va peut-être pouvoir aller un petit peu en hauteur. Ouais. Ah, d'accord, 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 d'accord. Ouais. Donc, le truc en hauteur, c'est ici. Ok. Machine est cassée et les rouages dont j'ai besoin pour la réparer sont dispersés partout. Tu peux sauter sur ce chariot et les récupérer pour moi? Y'a pas de soucis. Récolte 50 rouages avec le chariot. Oh putain, 50. Oh, je sens le truc chiant. Je sens le truc. C'est l'orbe chiante, ça. C'est l'orbe très très chiante. Bon, bah écoutez, de toute façon, on va pas avoir le choix. Oh putain. Oh là, oh là. Ah! Il y a B sur B pour sauter et A pour tirer avec le canon. Oh là là! Qu'est-ce que c'est ce truc de merde? Qu'est-ce que c'est ce truc de merde? En fait, il y a un chemin à faire en fait. En fait, il y a un chemin à suivre. C'est n'importe quoi, mais il y a un chemin à suivre. Oh là, attention. On fait un tour du manège. Il nous en manque. Il nous en manque beaucoup. 33. Et après, c'est à gauche qu'il faut se rendre. À gauche. Non. Ah, parce qu'il faut. Oui. Oui, il faut tirer. Comme ça, au moins, on peut. Ça va débloquer la voie. Hop, voilà. On tire, on tire, on tire. Ok. Ah putain. Ah, il était là le dernier truc. Wouah, ça va être hardcore ici. En fait, j'ai du mal à anticiper parce que je connais pas la route. En fait, ici c'est comme le niveau de vol et en fait, faut avoir une route. Ok. Après on fait ça. On change de voie et après on fait ça. Tac. Ok. Ensuite, on fait ça, on saute. Ok, ensuite on saute. En fait, c'est pas difficile. Oh ouais, d'accord. Putain, je l'ai fait trop tôt. Quel con. C'est pas difficile en fait. C'est juste qu'il faut suivre une route. Ah, donc c'est bien. J'avais bien dit. Ça va être l'orbe très chante. Ok, donc là, là. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, donc du coup là, sur le chemin normal. Parce qu'après, je connais pas la route, hein, donc... Ok, donc là. Ok, oui. Ok. Ensuite, là, on tire. Ça change de voie. On saute. On a vu le dernier truc piquant où il était. Là, on saute. Putain, wow, c'est quoi ce truc de merde? Ça va être horrible. Parce qu'en plus, il faut faire tout le tour, donc... Je pense qu'il faut pas toucher au truc. Merde. Je pense qu'il faut pas toucher au truc. Dans le sens, il faut pas toucher aux intersections. Enfin, vous voyez les cibles qui changent les intersections. Je pense pas qu'il faut la toucher. Enfin, il faut toucher tant qu'on n'a pas récupéré tous les engrenages de la partie, on va dire. Putain.
Oh, je vais me tuer. Oh, je vais me tuer, les gens. En fait, ça dépend. En fait, je crois que les trucs des TNT, il faut les viser. On peut pas les sauter. Et les trucs des caisses, il faut les sauter. Donc, dès qu'on voit un truc de TNT, il faut impérativement viser. Oh là là, ça va être chaud, ça va être chaud. Ok. Là, on saute. Par contre, tu... D'accord, en fait, le truc, il a un retard de dingue, en fait. Tu sautes et il saute pas, en fait. Il a un retard de dingue. Oh là là, putain, ça va être relou. Hop, ok. En fait, c'est un retard de dingue, donc c'est pour ça que c'est très difficile. Du coup, en fait, on peut pas être précis. Ok. Ok, donc ça, il faut le viser avec ça. Voilà, ensuite, on continue. Hop, ça, on vise. La TNT. Mais putain, mais change de voix, ta mère. Oh là là, putain, ça va être relou, ça. Ça va être relou, mais tellement. Oh là là, putain. En fait, je comprends pas parce que ça me perturbe. Il y a trois voix différentes. Oh, d'accord. Il y a trois voix différentes, donc ça me perturbe trop, en fait. En plus, j'ai l'impression que c'est mal fait, quoi, le machin. Je trouve que, par exemple, Skyward Sword, c'est encore le chariot, le mini-jeu du chariot. Il est mille fois mieux fait. Hop. Ça va être chaud, les amis. Ça va être super hard, honnêtement. Si on y arrive, on est des boss, hein, je vous le dis. Si on y arrive, on est des boss, parce que là, même moi, je n'y arrive pas. Wow, what the fuck, mais qu'est-ce que c'est ce niveau? Wow, mais qu'est-ce que c'est ce niveau? Il y a plusieurs routes et tout après. Oh, mais qu'est-ce que c'est ce niveau? Mais what the fuck? Ok. Ok. Il nous en manque 6. On sait où ils sont. Il faut que j'arrive à viser le petit panneau. Il faut que j'arrive à viser le petit panneau. Parfait, c'est bon, on a tout. Mon Dieu, c'était chaud. Je peux commencer à réparer mes machines. Prends ça. De toute façon, je n'ai plus de place dans ma boîte à outils. Mon Dieu, c'était chaud. Bon, ben, l'orbe chiante, c'est fait. Donc du coup, bah, tout le reste va être facile normalement. Putain, il nous manque beaucoup de gemmes quand même, non? Il nous manque beaucoup de gemmes, hein. Ok. Combien ça nous fait? 325. La suite est par là-bas. Ok. Non, c'est pas ici. Toi par contre, toi, comment on fait pour t'avoir toi? Ah, peut-être avec ça. Oh, ça va être chaud par contre. Oh là là, ça va être chaud. Il faut viser. On l'a eu. Merci Spiro. Voici l'orbe que j'avais promis. Il vient du fond des océans. Ok. Donc il nous manque juste. Il nous manque juste les dernières gemmes à récupérer. Ça nous en fait 35. Bien, on a toutes les orbes du coup. Allez, go. Go. Et il nous manque les dernières gemmes. D'accord. Alors il nous manque 35 gemmes. Wow. What the fuck, quoi. Il nous manque 35 gemmes. C'est-à-dire qu'on a loupé une zone. Laisse tomber. On a dû louper une zone. Ah, pour qu'il nous en manque autant.
sûrement un des cages, une des cages bizarres là, mais le problème c'est que où tu veux la choper la cage bizarre toi? Peut-être avec le tour en chariot. Ah non, il y a des choses ici. Bah oui. Tac. Et il nous en manque 10. Il nous manque 10 gemmes. 10 putains de gemmes. Donc là, il nous manque une gemme jaune. Logiquement. Est-ce que c'est... je ne l'aurais pas oublié ici? Peut-être. Elle serait pas un petit peu partie... parce que là, honnêtement, je peux pas monter ici, c'est sûr. Ah là 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 là, les dernières... Oh, ça, c'est un niveau un petit peu compliqué, quand même. Hein. Au niveau de la recherche des gemmes et tout ça. Il n'y a rien du tout ici. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien dans l'eau, on est bien d'accord. Il n'y a rien du tout, hein. Y a rien du tout ici, déjà il y a rien du tout dans l'eau. C'est une question. C'est une bonne question ça. J'ai loupé un truc de 10 gemmes. Mais je sais pas où il est. Je ne sais pas du tout où il est. Ok, donc il n'a pas d'être ici. Le bateau. Ah là 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 là, c'est hard, c'est hard, c'est hard, c'est hard, c'est hard. Mon dieu, c'est hard. Savoir où sont les dernières gemmes. D'accord. Il a pas voulu sauter. Enfin, il a pas voulu planer. Ah là 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 là, je vous jure. Ouah, ça va être long. Hein. Ça va être long si on a oublié 10 gemmes. C'est-à-dire qu'on a oublié un endroit, quoi. C'est ça qui me fait chier. C'est quel endroit? Quel endroit on aurait pu oublier? Et on campagnerait 10 gemmes. Quel endroit on aurait pu oublier? Bah, il nous manque 10 gemmes, c'est... c'est étrange. C'est étrange. On est bien d'accord qu'ici, il n'y a rien, hein. En termes de gemmes, on peut pas récupérer ici. Bah putain, c'est une putain de bonne idée. Hein. Je sais pas où du tout où ils sont, où aller la dernière gemme. Même si je vais là, ça active le mini-jeu. Tu vois ce que je veux absolument pas. Rien ici. Ah! Et voilà. D'accord, il était camouflé. Bien camouflé d'ailleurs. Ah bon, niveau terminé à 100%. Et logiquement, on peut voir le pourcentage, 54%, et on rentre à la maison. Boum. Et 400 gemmes. Ouais. Supplémentaire 3163. Je sais pas ce qu'on va faire avec 3163 gemmes, mais pour Macron on est bien là. Mon dieu. Ah, ça m'a fatigué. Bien. Bon, bah les amis, ça c'est fait. Alors du coup, ça veut dire que la prochaine fois, nous partirons en direction du prochain niveau. Le prochain niveau, je crois que c'est Brise tout court. Tout simplement, le Brise tout court, je crois. Hop. Hop.
Donc oui, c'est le brasier, pardon, c'est brasier. Le prochain niveau, c'est le brasier que nous ferons, tout simplement, dans lequel, en plus, il y a un succès, il y a un point de compétence, en tout cas, c'est tous les arbres, colline de la faille, 3 tours de supercharge. Ok, donc, du coup, il nous manque presque plus rien en termes de niveau, hein, on aura très bien avancé. On est à 54% du jeu. Donc les amis, oui, 54% du jeu, ça paraît fou, mais voilà, c'est un bon succès, c'est un très bon succès. Du coup, il nous manque énormément, plus du tout, enfin plus énormément du niveau, il nous en manque 1, 2, 3 et le dernier qui est normalement le boss qui se situe dessous là, sous le truc. Normalement, après, il manquera le boss qui est ici. Donc, en fait, il ne manque que 3 niveaux. Parce qu'ici, c'est le niveau du circuit. Circuit de glace, c'est ce qu'on avait fait. Et ici... Ah non, il en manque 4. Il en manque 4, j'ai rien dit. C'est vrai qu'il y a l'oasis ombragé. Ouh là là. Il y a le fameux oasis ombragé que nous devrons faire. Ok. Donc, en fait, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à faire. Donc, écoutez, du coup, on fera ça les prochaines fois. Donc, il nous en manque 4 niveaux avant d'atterrir au boss, tout simplement. Donc, on commence, on évoluera, du coup, dans le château. Sachant que, du coup, dans ma prochaine session, normalement, de Spyro, je ne finirai pas ce monde-là. Mais il est fort possible que je le finisse dans ma session prochaine. Tout simplement, on progresse d'une vitesse juste hallucinante. Je trouve que vraiment, pour 40 épisodes, c'est pas non plus dégueulasse. On s'en sort bien, en fait. On s'en sort très très bien, honnêtement. Y a pas photo. On s'en sort très bien, cette foutue orbe me nargue. Je sais pas comment va-t-on la récupérer, mais elle me nargue. Cette foutue orbe, mais je pense qu'honnêtement, ça sera quand on se jettera de la tour de là-bas, parce qu'il y a que de là-bas, il y a que ça que je vois comme objectif. À part si peut-être plus tard on débloquera un petit power up qui permet d'aller peut-être faire un double saut ou quoi que ce soit. Et c'est bizarre, je l'ai rêvé le double saut. Au cas où, je préfère vous dire, dans mes rêves, j'ai rêvé le double saut de Spyro. Donc c'est à dire, je pense qu'il existe. Vu que j'ai déjà touché à Spyro 2 et Spyro 3. Et donc je pense que le double saut que j'ai rêvé, il existe. Et du coup, ça me permettra d'aller récupérer cette orbe. Et du coup, pouvoir au moins terminer ce putain de niveau à 100%. Sachant que du coup, le hub, on l'a même pas fini à 100%. Regardez, hein, il nous manque 137 gemmes et 2 putains d'orbes. Sachant qu'on en a trouvé qu'une d'orbe, il nous manque une autre. Alors, on en a déjà trouvé une. Et je sais pas où elle aurait pu être l'autre. Sachant que l'autre, du coup, peut-être si je pense qu'elle est derrière la porte du boss, ça sera sur l'ascension de la porte du boss. Mais c'est tout ce que je vois en fait. Parce que je vois pas où on va pouvoir la récupérer sinon. On aura vraiment tout fait. On aura tout fait, quoi. Donc, je sais vraiment pas où elle aurait pu être. Sachant que... Ouais, c'est... Il n'y a pas 50 solutions. Hein, c'est... Il n'y a clairement pas 50 solutions. Il n'y a pas 50 solutions, honnêtement. On va se jeter de là, peut-être. Non, même pas. Hein. Je suis en train de voir. Bon, écoutez... Les amis, en tout cas, je vous en remercie vraiment de me suivre toujours autant sur ce let's play. Allez, à nouveau au portail. Viens me voir. Oui, le circuit. Mais... Oui, donc. Attendez, mais what? Qu'est-ce qu'elle me dit? Pourquoi elle m'a reparlé? Veux-tu que je te conduise dans un monde où tu pourras trouver un nouveau talisman? Oui, allez, à nouveau portail. Je vais te conduire au nouveau portail. Are you fucking kidding me? J'ai déjà récupéré le talisman. T'es conne. Du coup, les amis, je vous en remercie de m'avoir suivi. On va pas s'attarder longtemps. Et je vous dis à la prochaine. On est déjà à 54% du jeu. On a déjà dépassé la moitié du jeu. On se rapproche de la fin. Et oui, je sais que c'est triste, mais c'est comme ça. On se rapproche de la fin, les amis. Vous pouvez même le voir au niveau des stats. Hein. Ce n'est pas non plus une surprise, hein. On s'approche vraiment de la fin du jeu. Je sais que c'est triste, mais c'est comme ça. Et je vous en remercie également de toujours
porter attention à ce let's play et de me suivre malgré tout après 40 épisodes, 41 déjà avec celui-là, 41 épisodes sur ce putain de jeu, c'est juste hallucinant. Et on se dit à la prochaine pour l'épisode 42 de Spyro Reignited Trilogy, plus précisément l'épisode 16 de Spyro 2, Ripto's Rage. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Je suis en train de regarder s'il n'y aurait pas peut-être l'orbe qu'on cherche dans les arbres. C'est peut-être possible. Hein. Ce sera un truc à fouiller la prochaine fois. Hey, peace.